me dois de vous donner ces signes. Dans cette période de votre vie, étant donné que votre confiance est en train de grandir, vous aurez beaucoup de personnes qui vont jouer avec votre mental. Et c'est le même processus par lequel il passait avant pour vous décourager et vous faire tomber. Donc, si je ne vous préviens pas, vous allez chuter. Et je ne sais pas combien de temps vous allez faire à terre. Bonjour, bonjour. Donc je prie que ce que je vais vous dire, ça vous avoue, ce que vous êtes esprit ouvre votre esprit, pour que vous puissiez comprendre. Dans le passé, tu as beaucoup douté de toi. Ok, tu as beaucoup douté de toi. Tes dons sont là. Tu as peut-être poursuivi ton appel. Après, tu as abandonné. Et au point où tu en es maintenant, depuis 6 mois que tu m'écoutes, 2 mois, je ne sais pas combien de temps tu m'écoutes, tu as recommencé. Et quand tu montes, tu auras les mêmes tests. Jusqu'à ce que tu passes cette fois. Donc, ta plus grande faille, c'est que tu n'arrives pas à identifier les gens autour de toi qui ne veulent pas que tu avances. Il y a les grands décepticons. Les grands, c'est ceux-là que ils te disent cache. Ils n'aiment pas. Dès que tu les vois, ton esprit fait un jas sur eux. Ceux-là, ils sont légalisés. Ils ont le diplôme. Ce sont tes décepticons. Ce sont tes haters. Il y a maintenant ceux qui sont cachés. Et ceux qui sont cachés la jouent très bien. Ils sont à côté de toi. Ils sont dans ton lit. Ils sont dans ta maison. Dans ton lieu de travail. Ils sont même sur ma page. Ce sont des amis sur Facebook. Vous me suivez ensemble. Ils se lavent avec le sel. Souvent. Mais dans le fond de la chose, vous n'avez rien en commun. Faites attention aux gens qui viennent vous dire « Je suis comme toi, je fais comme toi, je ressens toi, je fais ce que tu fais, j'ai aussi les dons, j'ai aussi les pouvoirs, j'ai aussi, je vois. » Ok, si tu vois, va voir ta part là-bas, laisse-moi. Laisse-moi. Rien n'est plus pire pour ta destinée que quelqu'un qui vient à côté de toi pendant que tu as été levé spirituellement. Et je vous dis que c'est le temps là que les gens ont venu. Oui, ma fille, tu sais, moi aussi je vois. Vous venez sur mon taquet. Tu sais, moi aussi j'ai des dons comme toi. Hein. Je vois. Mais pas tu vois. Si tu ne vois pas, comment tu arrives devant moi? Souvent on te dit, l'esprit m'a dit de te dire que garde tes messages pour toi. Si l'esprit veut me dire quelque chose, hein, il va d'abord me dire à moi. Si elle n'écoute pas, il va venir te dire. Imagine si l'esprit devait toujours compter sur d'autres personnes pour venir me dire mes choses. Et que je ne vous rencontre jamais. Et qu'on te dit, tu ne me dis pas. Soyez très vigilants. Je vous parle comme ça, ce n'est pas la blague.
Et même pour vous faire arnaquer, ceux qui me suivent réellement ne se feront jamais arnaquer. Il y a les façons de parler que quand les arnaqueurs là vous écrivent. Que coucou ma chérie. C'est ma chérie. J'ai vu quelque chose sur toi. Allez, on vous voit toujours. Vous avez suivi. Voilà, tu as la paresse de t'asseoir 2 heures de temps que tu regardes mes vidéos. Va là-bas donner ton argent, il m'en fout. Tu peux trouver ton bonheur chez l'arnaqueur. Un arnaqueur peut t'arnaquer et te soigner, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça se fait. Mais bon, allez-y. Bonjour. Et je me suis rendu compte qu'il y a toujours les gens qui ont le cœur tordu qui se font arnaquer par ces gens-là. Donc, si tu arrives, ce que tu fais, tout, tu le suis. Tu donnes ce qu'il demande, tout. C'est que toi-même là. Parce que généralement, il vient vous promettre des résultats rapides. Comme moi, je vous donne le travail là, ça vous dérange. Je te dis, sois vigilant. Écoute ton intuition. Travaille. Paye ta dîme. Ah, il dérange. Je veux qu'on paye la dîme. Pourquoi? Moi, je veux un savon qu'il veut faire. Ça va donner pour un an. Hein? Il y a une qui a fait comme ça. Non, elle me contacte. Je la consulte. Je lui donne. J'ai dit qu'elle veut lui envoyer les produits. Elle dit non. Fais-toi à distance. Ne me dis, je veux rien. Je ne veux rien. Voilà ce qu'on vous dit. Vous acceptez. Fais-toi à distance. Moi, je ne veux pas. Est-ce que tu peux même jeûner pour moi? Est-ce que tu... Chérie, ma chérie, tous les mecs qui ont jeûné, tu ne veux pas jeûner, tu laisses. Vous n'aimez pas le travail. Elle est partie, on l'a escroqué 1000 ou c'est 1 500 $. Commencez à la faire chanter. Elle revient. Oh, je suis perdue. Oh, je suis désespérée. Oh, oh. Le premier travail qu'elle fait, elle dit que quoi? Que l'argent est venu, non? Elle dit oui. Quand l'argent est venu, tu as fait quoi? Comme tu t'écrivais 2 jours, tu ne répondais pas là. Lui, il m'a vite répondu. Donc, en 7 jours, tu as envoyé 1 500 $ à l'homme là. 1 700 $ ou 1 500 $ en 7 jours. Et quand je t'ai conseillé au premier tour, je t'ai dit que suis cette première étape-ci. Ça va libérer de la ton argent. Parce que. Tout pour vous, tout ce qui vous dérange, c'est votre mindset. C'est votre mental. Vous ne croyez pas en vous. On vous donne les principes, vous ne voulez pas suivre. Ce n'est pas moi qui établis les principes. Donc, je ne vous écrirai jamais sur Facebook. Ma page officielle est là. Si on te contacte en inbox, coucou ma chérie. Comme je n'ai rien à faire de la journée, je passe mon temps à vous écrire coucou. Je te fais les coucou ma chérie. J'ai vu quelque chose sur toi. Je te connais, ma chérie. Que joie. Ma chérie, je te connais. Je vois quoi sur toi? Du coup aussi. C'est quoi que tu as vu? Dis-moi. Parle-moi de moi. Qui te connaît mieux que toi? Je vous dis ça sur ma page. C'est arrêtez vos trucs là. Oh, je ressens ça. Je ressens ça dans toi, ma chérie. Je ressens ça. Oh, je ressens ça. C'est tout ce que j'aurai à dire sur ce sujet. Je ne vous écrirai pas. Ils sont dans mes commentaires. Ils cherchent à scammer les gens. Ce n'est pas moi. Je ne les ai pas envoyés. J'ai une seule page qui est celle-ci. Les numéros sont en haut de ce direct. Si ça t'intéresse, contacte le numéro. Si ça ne t'intéresse pas, va te faire naquer. OK? Chacun fait ce qu'il veut avec son argent. Avec son énergie. Je reviens sur mon sujet. Je vous ai expliqué que c'est important d'apprendre la patience. Ça, c'est bien. Maintenant, vous devez... Parce que vous êtes en train de mûrir. Ceux qui me suivent... Et moi, je fais plus le direct pour les bébés. Je ne veux plus. Je ne veux plus. Je vous dis. Tu me suis depuis 1 an. Tu es toujours là. Tu as la peine à te laver avec le sel. Je dois encore te courir derrière toi pour que paye ta dîme. Pour... Papa, mamie, laisse. Tu as compris. Tu comprends, non? Faut partir. Tu attends que le pasteur Joe vienne te prendre. Ça fait 3 mois que je t'ai pas vu à l'église. Mais qu'est-ce qui se passe, ma fille?
Oh. Tout ce qui est forcé, à un moment, ça va lâcher, ça va partir. Quand tu es vraiment appelé et que c'est dans ton cœur, je reviens à mon sujet d'ailleurs. C'est quelque chose que ce n'est pas question d'âge. Depuis que tu as 7 ans, tu le sais. Une m'a fait même un témoin. Elle a suivi la formation mission de vie. Je vous ai dit que c'est la formation que j'ai faite, que je ne suis pas pressée. J'ai parlé de la formation mission de vie qui est sortie en début février. Ce à qui l'esprit a parlé. Une s'est levée à 2 h, elle a fait le paiement. Le matin, je me lève, je vois l'argent dans mon compte. Elle me dit, maman, l'esprit m'a réveillé à 2 h, il m'a dit de payer la formation mission de vie. Je sais que vous aimez les gens qui vont courir derrière vous. Chaque fois que tu tombes sur ma page, je dis achète, 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 achète. Devenez responsable spirituel. Donc, elle m'envoie un message hier. Elle me dit, maman, je suis en métamorphose. Depuis un mois, mon corps, mon esprit, tout, tout, tout. C'est là qu'elle me rend compte que depuis que je suis petite, je suis censée être célèbre et je suis censée avoir l'argent. Mais je me sabotais. Parce que je ne voulais pas qu'on m'avance en classe. J'étais très intelligent. On était censé me faire passer les classes rapidement. Mais comme il y avait ma cousine dans une classe, je voulais rester aussi avec elle. Je ne voulais pas qu'elle se sente mal. Donc, depuis, tu sais que tu es censé avoir. Parfois, tu es dans un mariage, tu sais que je suis censé voyager. On te donne l'opportunité de voyager. Et puis, tu fais 1 an d'études, tu reviens. Une bourse, 1 an, tu reviens, tu as augmenté le poste. Je dis, ah, si pas, mon mari va se sentir mal. Alors que c'est toi qui te lèves la nuit pour étudier. C'est toi que tu es au travail, tu es excellent. C'est toi qui rentres tard. C'est toi qui te lèves à 3 h pour faire le travail de 2 personnes dans ton bureau. Maintenant, quand l'opportunité de ta bénédiction se présente, tu ne veux pas. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas que les gens autour de toi se sentent mal. Fais très attention. Be very careful. Un hater, on va dire, un décepticon. C'est quelqu'un que, premièrement, il a attiré à toi parce qu'il a vu ta lumière. Et ce qui me gagne sur la personne, c'est que quand il voit ta lumière, il vient à toi, pas pour t'aider à pousser ta lumière pour monter. Il vient s'accrocher sur ta lumière. C'est comme si tu voyais un. Voilà, souvent, vous avez peut-être vu ça. Quelqu'un qui est handicapé, qui est sur sa chaise roulante. Et il a accroché à une voiture derrière. À l'arrière d'une voiture, on va dire. Donc il est derrière comme s'il a mis la main. Il voit la voiture rouler. Il ne vient pas pousser la voiture. Il ne vient pas mettre le carburant dans la voiture. Il vient s'accrocher sur la voiture. Bon, maintenant, la différence avec la voiture, c'est que cette voiture a un moteur assez solide pour le porter. Mais dans le spirituel, quand toi, ta lumière commence à. Ta lumière est visible. Et parfois, il s'approche de ta lumière sans que tu ne saches même que tu as la lumière. Tout pour eux, c'est que j'aime rester à côté d'eux. Et ils viennent avec les flatteries. Te voilà aussi. Tu acceptes. Comme tu ne te connais pas, tu ne t'aimes pas. On te dit quelque chose, tu acceptes seulement. La personne te cherche. Tu fuis. La personne te cherche. Quand il vient à ta lumière, tu ne sais même pas qu'il y a les esprits derrière la personne, les intentions machiavéliques, masquées. Parfois, c'est que la fille a toujours l'argent. Il va dire s'accroche. Combien de vos gars sont avec vous parce qu'ils savent que toi tu ne manques jamais. Ils savent que ton frigo n'est jamais vide. Hein?
Vous avez le même salaire. Mais c'est que toi, tu donnes toujours, tu es toujours, tu vois un peu, non? Au moins que ça à la maison, tu vas acheter. Il sait que s'il vit avec toi, s'il ne paye pas les factures, tu vas payer. Tu n'aimes pas le manque, tu aimes l'abondance. Et c'est comme ça que tu ne manques pas toujours. Tu ne manques pas. Donc, vous serez surpris quand vous allez identifier vos haters. Parce que pour ceux qui me suivent et qui appliquent ce que je vous montre depuis, même pas que c'est moi qui vous montre, vous appliquez ce que l'esprit vous dit. C'est ce que l'esprit vous montre que vous faites. Merci à ceux qui ont partagé et qui ont liké la vidéo. Merci. Quand vous avez partagé ça, je prie que vous-même, vous soyez bénis aujourd'hui. Même 0,001% de la terre n'a pas encore écouté mon message. Il y a encore plein de personnes là-dedans qui ont besoin de ce que j'ai à dire. Bonjour la reine Emma, Farida, Yvine, reine, bonjour, bonjour, bonjour. Donc la personne vient parce que la personne sait que toi tu pries. Et vous savez, spirituellement, ça demande beaucoup d'efforts pour se maintenir au top. Tu dois être vigilant. Il y en a parmi vous que vous ne pouvez pas dormir. Vous ne pouvez pas dépasser 5 heures. 4h, 4h30, ton esprit est debout. Et là que tu communiques avec l'esprit. Tu reçois tes directives. Tu reçois tes messages. Tu traces. Tu fais ta méditation. Et parfois, moi, quand tu fais ta méditation, c'est pas que ta méditation, tu pars forcément sur une montagne pour faire. Non. Tu es couché dans le lit. Tu fais ta gratitude. Ça fait 2 jours, j'ai eu des situations avec 2 personnes avec lesquelles j'étais pour la journée. Et j'ai observé mon attitude. J'avais vraiment des raisons de me fâcher. Like, really? J'étais tellement vénère, je me dis, oh my god, je vais rater mon rendez-vous, je vais. Après, quand je m'assois, on peut que bon. Pour que l'avion arrive à bon port, ou que la voiture arrive à bon port, ce n'est plus de mon ressort. Ce que je peux faire, on était censé être en retard. Il y avait deux côtés qu'on devait traverser. Il y avait. Je m'assois dans la voiture. Même le chauffeur qui vient me chercher d'abord, sa tête m'énervait. Je le vois, je le regarde comme ça. Après qu'il m'assoit dans la voiture, je commence la gratitude. Seigneur, merci parce que le chauffeur, il a résisté toute mon attitude, il est quand même venu. Merci. En 2-3 minutes, je vois comment l'atmosphère dans la voiture change. Voilà le contrôle. Je ne parlais pas, je ne disais rien du tout. Mon esprit. Seigneur, merci. Après, on est passé en Ndokoti en 1 minute et demie. Vous connaissez Ndokoti avec les embouteillages. Que tu, dans le meilleur des temps, tu fais au maximum, minimum 5 minutes à Ndokoti. Maximum 45 minutes ou 1 heure. On est passé en Ndokoti comme ça. Un jour bis de la semaine à 15h. 10 ou 20. Les heures que normalement nous côtoyons comme ça là. Après, je ne fais que faire la gratitude. La gratitude. La personne que je partais chercher, je devais appeler un autre véhicule pour que le véhicule là, je vais chercher cette personne. Et que la personne nous suive. J'arrive là-bas, j'appelle le Yango. Ça bug. Après, je commence la gratitude. Voilà que le chauffeur de la personne chez qui je partais arrive pour déposer ses enfants. Je demande au chauffeur que tu peux nous suivre. Il dit, mais il n'y a pas de souci. La gratitude. Donc tout s'alignait seulement. Tac, 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 tac. Alors que quand il est dans la voiture là, les nerfs que j'avais. Donc quand on est sur le chemin maintenant pour la deuxième destination, l'esprit commence à m'enseigner. Tu auras les personnes qui ne. Il y a les personnes qui ne comprennent pas. Ton pouvoir, leur pouvoir,
qui vont s'accrocher à côté de toi. Et j'ai beaucoup parlé, maintenant je vous amène dans le premier signe pour savoir qui est un hater ou un décepticon autour de toi. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Merci pour vos messages de bonjour. Ton premier signe pour savoir que quelqu'un est un hater, c'est que la personne ne se connaît pas. Donc, comme toi, tu es en train de commencer à te connaître, la personne va vouloir te faire douter de ce que tu connais de toi. Si vous comprenez, dis je comprends. Si vous ne comprenez pas, dis je ne comprends pas. J'explique encore. Vanessa, Gabriel, Sylviane, Edwige, Kiki, Nadège, bonjour. Bonjour Annie. Patiti et Laure, bonjour. Supposons que tu es avec ton mari. Donc, c'est quelqu'un de proche de toi. Tu te lèves le matin, tu as une facture de 500 euros à payer. Dans tes méditations et dans ton expérience passée avec l'esprit, l'esprit t'a montré que toi, tu as le pouvoir de commander l'argent, ça vient. Donc, tu te connais. Dans la journée, la facture arrive. C'est ton mari qui ouvre la poste. Il ouvre le courrier dans la poste. Il prend la facture. Il monte avec te donner à l'étage. Tu reçois la facture à ton nom. Tu dis, ah, je vais payer ça. Je vais payer. Tu te connais. Tu sais que tu vas attirer les 500 euros. Ça va venir. Tu vas payer. Lui, il ne se connaît pas. Il commence à te dire, tu vas voir l'argent. Regarde la facture là, non. Comment ça te dit rien, ça ne t'inquiète pas. Pourquoi? Non, mais attends, explique-moi, non. On va prendre l'argent pour payer ça. Toi, tu vois la facture, tu es zen. Tu te connais. Lui, il voit la facture, il panique. Et il veut te faire paniquer. Et il veut te faire te sentir mal de ne pas paniquer. Voilà ton décepticon. Le décepticon, c'est pas celui qui te déteste forcément, qui a le couteau comme ça, là, il dit, oh, je suis parti sur le marabout pour la tuer. Non. C'est quelqu'un que il ne se connaît pas. Au lieu de te laisser tranquille comme il ne se connaît pas, il veut mettre ce qu'il connaît de lui sur toi. C'est au niveau, si tu n'as pas compris, c'est qu'on n'est pas encore au même degré. Mais je vais avancer. Parce que ceux qui ont le sens là, quand j'ai parlé la première fois, ça veut dire que vous avez suivi. Frédéric, tu as bien parlé. Quand tu, au départ même, hein, tu vas voir que 100% des gens que tu vas attirer dans les 2 années qui arrivent, ne seront jamais dans ton état d'esprit. Donc, ceux qui sont à côté de toi aujourd'hui, ils vont partir. Dans 6 mois, ceux qui vont venir, ils vont partir. Dans 6 mois, ceux qui vont venir, ils vont partir. Parce que tu es constamment, quand tu te laisses guider, tu grandis, tu grandis. C'est pour ça que l'un des problèmes des choisis comme nous, c'est que on a du mal à stabiliser certaines relations pendant longtemps. Un autre signe encore pour identifier ton hater, c'est que ton hater va toujours, parfois il va, c'est comme s'il va ignorer les lois spirituelles. Parce qu'il faut que tu acceptes déjà, hein, tu es quelqu'un de spirituel. Tu es spirituel, que tu le veuilles ou pas. Si tu écoutes mes vidéos, tu reviens le lendemain écouter, tu vas encore le lendemain écouter. Tu es spirituel. Après, tu vas avoir une phase où tu dois avoir des objets spirituels sur toi. Tu dois avoir tes bracelets.
Tu dois avoir ton chapeau. Tu dois avoir ton bâton de commandement. Quand tu achètes ça, tu sens. Dans le groupe, ceux qui payent la dîme chez moi, si vous payez la dîme chez moi, quand vous écrivez, demandez que je vous mette dans l'autre groupe. Parce qu'il y a un autre groupe pour ceux. Là-bas, vous pouvez parler à tout moment. Parce que le groupe de tout le monde, là, moi, j'ai bloqué. Vous n'écrivez pas là-bas. Il y a un autre groupe pour ceux qui paient leur dîme. Donc, vous écrivez à ceux. Donc, hier, il y a une dame qui reçoit ses produits à Paris. Elle écrit que maman, quand j'ai touché mon chapeau, c'est comme si mon énergie voulait seulement exploser. L'autre dit que oui, même moi, quand tu vas sortir dans la rue, c'est comme si les gens veulent te manger de manger. Donc, ils ont commencé à commenter sur le groupe. Une autre, elle est aux États-Unis, qu'elle avait reçu sa part, elle envoie la photo dans le groupe comme ça, là, avec le bâton de commandant. Donc, tu arrives à un niveau où tu es spirituel. Maintenant, pour reconnaître ton hater, c'est quelqu'un que. Généralement, ces personnes sont très proches de vous. Parce que quand tu commences à devenir spirituel, tu bloques les gens qui sont à côté, tu les bloques, tu les noques. Tu les noques. Quand tu vois quelqu'un à distance, il te drague, il commence à faire gna gna gna, bloc. Mais celui qui a le pouvoir de t'accéder là, c'est celui qui est proche de toi. Membre de famille, mari ou femme. Parfois même tes enfants, hein. Vous pouvez avoir des enfants, Ticone. Reine, on t'a dit de ne pas mettre non. Je vous connais, vous me suivez, après vous... Ne mets pas non, mamie, c'est ton problème. Est-ce que moi j'ai un problème? Je fais seulement mes vidéos, non. J'ai de toutes les qualités sur la page, c'est... Moi, je vous connais bien. Il y en a souvent, quand ils vous parlent, quand vous me donnez vos interprétations de rêve, ce que les ancêtres vous ont dit, j'ai dit que yéyé. Les ancêtres là parlent comment? Pourquoi ils ne me parlent pas sur le genre là? Les autres points là-bas. Donc, je disais donc, quand tu vas arriver à cette phase là, tu vas aller laver dehors. Non, va les faire marcher, c'est mieux. Ben, il faut que tu demandes au gardien. Dès que tu vas descendre avec eux, là, ils vont courir dans tous les sens. Donc, je disais ceci. Tu es quelqu'un de spirituel. Et ton éveil ne se passe généralement pas au même moment que les gens autour de toi. Mais s'il faut choisir entre ton éveil et les gens autour de toi, moi, j'ai choisi mon éveil. Je ne vous dirai pas quoi faire. Parce qu'à poser, c'est la reine Jessie qui m'avait dit. C'est la reine Jessie qui m'avait dit. Je ne vous ai pas menti quelque chose. Si vous voulez faire, vous faites. Parce que quand ce sera chaud sur toi, dans la fête de spiritualité, si, il y a les jours où c'est chaud. Ta bataille mentale est énorme. Donc si ce n'est pas que c'est toi qui avais choisi au départ, tu vas penser que je te déteste. Il y a des femmes qui savent que. Elles doivent même couper leur relation avec le gars. Mais souvent, ce n'est pas encore le temps. Parce que si elle te dit que ma chérie quitte-le, elle veut détruire mon mariage. Elle veut. Donc, je laisse, je te parle seulement. Le jour où tu comprends, tu confirmes dans toi, tu parles. Donc, quand tu commences à t'éveiller spirituellement, ça ne se passera pas au même moment. Si j'ai déjà marié, que lui. Ou qu'elle. L'éveil spirituel, vous devez comprendre que l'éveil spirituel est. C'est pour que tu entres dans ton vrai toi. Ton vrai toi, c'est quelqu'un qui a confiance en lui. Généralement, tu es comme ton esprit animal. On appelle ça spirit animal. Moi, ma part, c'est le lion. C'est pour ça que vous voyez, je suis trop force. Je suis trop force sur les gens. Je suis comme. Moi, il doit. I need to get it. Ça, c'est comme ça que moi, je suis. C'est pour que tu embodies, que tu rentres dans le corps de ton esprit animal. Que je te connecte à tes guides. Que tu sois conduit par le Saint-Esprit. Pour que tu explores la partie qui est Dieu de toi. La Bible dit que vous êtes des dieux. C'est des choses que si tu dis. Tu es Dieu comment, hein? Alors, laisse-moi les choses des blagues là, pardon. Pourquoi?
Pendant les premières années de mon éveil, j'étais seule généralement face à mon téléphone. Parce que j'avais trouvé des enseignants. Je me bloquais l'esprit chaque jour, j'écoutais, j'écoutais. C'est là que mon esprit se réveillait. J'écoute, j'écoute, ça me confirme que oui, on m'avait dit ça l'autre jour. Oui, l'esprit m'a dit ça l'autre jour. Oui, l'esprit m'avait. J'avais senti ça l'autre jour. J'ai toujours su ça. J'ai toujours su ça. Ça faisait que j'avais confiance à ça. You trust your guts. Et ton intérieur ne t'amène que là où il y a l'argent, l'indépendance, et là où tu vas accomplir ta destinée. Hier, quand j'étais dans l'avion, on s'élève dans les airs. Dans les airs, généralement, c'est là que j'aime bien avoir des pensées. Pensées très hautes ou très profondes. Je ne sais pas si c'est high ou deep, I don't know. Mais je sais que c'est là-bas que j'aime bien avoir des pensées. Donc. Tu as trouvé une, ok. En bas, la Bible va te montrer. Si c'est lui-là, lui-là, il va courir. Dès que je vais laisser en bas, la Bible va courir dans tous les sens. J'aurais préféré même que tu l'attaches lui et que ce soit elle que tu laisses. Mais descends en bas, va en bas, le gardien va te montrer. Et dès que tu vas sortir là, il va courir, ça m'embrouille partout là. Comme un petit fou. C'est là que je commence à réfléchir. Donc, le Seigneur me dit. Est-ce que tu sais que certaines personnes, attends que j'essaie d'attraper ma pensée, voilà. Est-ce que tu sais que certaines personnes n'accompliront jamais leur destinée parce qu'ils ne désirent pas cela? Est-ce que tu sais que certaines personnes ne désirent pas être connues? Est-ce que tu sais que certaines personnes ne désirent pas être riches? C'est là que je dis que, waouh, that is so deep. Il dit oui, par exemple, toi. Il me prend l'exemple sur moi. Moi, j'ai mes conversations avec moi-même, ok? Like, I talk to myself. En 2000, j'ai commencé mon éveil en 2012. Géraldine, si tu avais le jardin, la même cœur ouvert là, tu perds ton temps. Tu perds la cœur ouvert au jardin là, tu perds ton temps. Il sait qu'il a tort, mais il est frustré. Il y a les relations que quand Dieu te délivre de là, c'est la délivrance. Hein? Like, sérieusement. Quand j'ai commencé mon niveau spirituel, je vous assure que je désirais être connu. Je ne blague pas, je vous le dis. Je désirais être riche. Pas que je courais pour dire, oh, je demande l'argent à un homme. Mais je reste comme ça là. Je me lève le matin. Quand je fais mes visualisations, ma gratitude, je me vois en train de parler et les paroles que je prononce aident les gens. Je me vois en train d'impacter la vie des gens. Bon, c'est vrai que l'autre partie, c'est seulement, je ne peux pas voir ça de mon vivant. Mais je me vois aussi en train de. Je suis morte et les gens viennent à mon. Beaucoup de personnes. On fait même carrément une émission à la télé où on télévise mon enterrement. Oui. Les gens viennent, ils s'asseyent, ils disent que la femme, si nous a aidés, elle a impacté notre vie. Je sais que quand tu vas des choses comme ça, là, quelqu'un va te dire, ça c'est le rêve, qui t'a dit, ah, pardon, c'est ça. C'est pour ça que vous ne pouvez pas partager votre rêve avec n'importe qui. Vous ne devez pas dire ce que vous avez l'intention de faire à n'importe qui. Vous ne devez pas dire quels sont les désirs de votre cœur à n'importe qui. Parce qu'un autre signe de votre hater, c'est que le hater va vouloir écraser tes plans ou tes rêves. Parfois, ton hater, ça a été ta mère. Quand tu étais petit, tu parlais, ta mère t'écrasait. Ah, qui l'a pas fait ça? Ah, tu crois que quoi? Parfois, ton hater, ça a été ta mère. Quand l'esprit m'a expliqué ça, j'ai dit waouh. Parce que moi, j'ai toujours eu l'habitude de. Je ne suis pas stressée par le succès.
Je sais que le succès vient. Pour moi, c'est le next step. C'est un peu comme tu sais qu'il est 14 heures, après il sera 15 heures, après il sera 16 heures. Donc, je ne me dis pas, est-ce qu'on aura 16 heures? Est-ce que... Non. Comme là maintenant, il est 7 heures, non. Après, il sera 9 heures, non. Après, on va vers 14 heures, non. Après, donc, je sais que ça va arriver. Le hater ne veut pas que tu arrives dans l'état de conviction pleine. Le hater ne veut pas que tu te comportes comme quelqu'un qui a déjà. Mais je suis déjà riche, pourquoi je dois stresser? Je ne stresse pas. Je sais que mais. Parce que beaucoup d'entre vous, votre travail spirituel bloque. Ou bien quand vous achetez un kit, ça dure pour que vous ayez votre percée. Parce que ce sont les pensées-là qui sont dans votre tête qui sont là. Ça te bloque. Une m'écrit hier, elle me dit, depuis 5 ans que je cherche le boulot stable en France, ça veut dire qu'elle était sur la CAF tout le temps. Elle a commencé, j'ai commencé à travailler sur elle, ça fait 3 mois. Elle me dit, j'ai eu mon premier contrat à durée déterminée, de mars à décembre. Je lui ai dit, c'est le temps. Il fallait d'abord que Dieu enlève les pensées. Et ce n'est même pas encore tout parti. Il y a des pensées destructives que tu as dans ta tête. Tu dois te convaincre que tu mérites le bonheur. Tu dois te convaincre que ton droit de naissance, c'est la richesse. Un jour, tu montes sur la moto, après tu dis, c'est bon, je ne veux plus prendre les motos. C'est bon. Donc, ton esprit se fatigue de certaines choses. Je suis une reine. Pourquoi on va me serrer, on me double sur la moto? Non, quand je paye maintenant la moto, je paye le double prix d'abord. 2 mois plus tard, tu dis, 1 mois plus tard, tu dis, je ne prends même plus la moto, je prends maintenant que le taxi. Dépôt peut-être. Après, tu dis un jour qu'il me faut la voiture. Et quand tu parles, c'est parce que tu sens que je ne suis plus au niveau où je dois monter encore sur la moto comme une folle. Tu t'habilles, si tu montes un jour, ta jupe se déchire. Tes cheveux se gâtent en route avec le vent. Non, 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 je ne veux plus ça. Imagine, tu avais ta copine de 7, tu dis ça. Et tu te prends pour qui? N'est pas, tu es arrivé. Non. C'est ce que ton esprit a vu, que ton esprit est en train de te dire. Et que toi-même, tu es en train de répéter audiblement. Donc, ton Decepticon sera à côté de toi toujours pour attraper tes moments de déclin. Parce que tu parles à l'univers. Et il y a des moments où tu parles, que tu sens que. Ton cœur, ton corps, tu sens que ce que je dis là s'assoit avec la puissance. En 2016, j'ai eu une situation très difficile. Pour une énième fois, j'avais une cousine d'icône qui vivait chez moi. Et je ne savais pas qu'elle comportait beaucoup de choses contre moi. Je me rappelle, je suis tombée malade. Le matin, je me réveille. Encore un peu fatigué. Je mets le. J'ai juste tombé la musique de Beyoncé. Là où elle chante. I wanna leave my footprint on the sand of time. Oh, there was something that means something that I left behind. Then I leave this world. I leave no regrets. Je vais traduire en français. Je veux laisser mon empreinte sur cette terre. Je veux qu'on sache qu'il y avait quelqu'un qui a fait quelque chose sur cette terre. Quand je quitte ce monde, je pars sans regret. Parce que je sais que j'ai fait quelque chose qui a mis la différence dans ce monde.
Et dans le refrain, elle dit I was here. I was here. I lived. I loved. I was here. J'étais là, j'ai vécu. J'ai aimé. Et j'ai fait quelque chose qui a signifié quelque chose. Je laisserai ma marque sur cette terre. Vous savez combien de personnes peuvent dire ça de leur âme? Beaucoup de personnes, c'est il me faut un boulot, il faut que la CAF me donne l'argent. Oui, il faut que j'épouse un homme riche. Comme ça, je vais vivre dans sa maison et ma famille va voir que j'ai réussi. Dis-y, Michel, je ne fais pas mes choses parce que les gens m'ont demandé. Je fais selon la direction de l'esprit. Tu as compris, Michel? J'ai des choses que vous voyez aujourd'hui que j'ai enregistrées depuis 2019. C'est aujourd'hui que les gens utilisent, en 2023. Je suis vendu dans le processus de Dieu. Personne ne peut venir me pousser. Mais quand je sais que c'est le temps pour faire ma chose, je me lève le matin et je dis qu'aujourd'hui, on doit faire ça. Le jour-là, tout le monde qui va appeler sera prêt. Que tac, 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 tac. Certaines personnes vont même venir le jour-là. Il venait me visiter. Il dit, mais je peux faire. Il enlève son habit, il se met à faire la peinture. Parce que j'ai dit qu'aujourd'hui, là, on va finir la maison-ci. Quand tu marches avec l'esprit, tu dois comprendre ce que l'esprit te dit. C'est pour ça que quelqu'un peut faire un blocage. Il croit qu'il te bloque. Joseph a dit dans Genèse chapitre 50, verset 20, que ce que vous m'avez fait, vous pensez que c'était pour mon mal. Mais Dieu l'a transformé pour le bien de beaucoup de personnes. Ça veut dire que même le mal qu'on vous a fait depuis que tu es petit, là, ma chérie, si je ne souffrais pas, c'est que je n'ai pas de quoi vous parler aujourd'hui. J'ai traversé les souffrances, c'est ce que ça va encore venir. Mais j'ai compris que la souffrance, elles sont les leçons, ça ne me dérange plus. À nos fiers, je n'ai plus peur. Je n'ai pas peur de la solitude, je n'ai pas peur de l'abandon, je n'ai pas peur du découragement, je n'ai pas peur de l'échec, je n'ai pas peur de la pauvreté, je n'ai pas peur. Mais c'est moi qui ai des destinations dans lesquelles je n'irai plus. La pauvreté là, on ne se connaît plus, on n'est plus dans le même bloc, on n'est plus dans le même pays, on n'est plus dans la même galaxie. Il y en a parmi vous, l'esprit vous parle. Vous n'acceptez pas. Dans la Bible, quand Dieu appelait quelqu'un, il appelait d'abord seul. Il a appelé Abraham seul. Abraham était marié. Il n'a pas appelé Abraham et Sarah. Il a appelé Abraham. Abraham a répondu. Mais il était seul. Vous avez des choses dans votre esprit que l'esprit vous dit. Désire ça. Dis que tu vas aller là-bas. Dis que tu vas impacter les gens. Tu es là. Je n'ai même pas 50 000 de salaire. Je peux aider qui? Un troisième signe de ton hater. Les haters sont des gens de ce que j'ai remarqué. Ils
J'ai parlé de la motivation personnelle. Ce sont les personnes qui vont venir pour se nourrir de ta motivation. Tu sais que pour pouvoir aimer quelqu'un, pour cajoler quelqu'un, il faut que tu sois de bonne humeur pour doloter l'autre personne. Donc le hater est toujours d'une humeur bizarre. Il est à côté de toi comme s'il est en concurrence avec toi. Alors que toi, tu es dans ton match seul. Tu es dans tes choses seul. Le hater aura tendance à toujours vouloir se comparer à toi. Il aura tendance à toujours... Quand il fait ça, l'esprit te montre, ça fait bizarre. Avant, tu refusais. Je veux que tu identifies. Mets chacun dans sa case. Tes vrais gens ne sont même pas encore à côté de toi. Parce que quand tu vas vouloir t'élever, commencer à faire une, deux, trois choses, ta lumière va briller. Ça va gêner ton hater qui est à côté de toi. Parce qu'il ou elle est habitué à te côtoyer tous les jours, à te voir dans une vibration bizarre. Tu viens te plaindre de ton mari à tout moment. Maintenant que tu as arrêté de te plaindre de ton mari, ça dérange la personne. Chérie, tu te plains plus de ton mari. Non, non, non. Il fait ce qu'il veut, je m'en fous. Il y aura une comparaison bizarre. Tu as senti souvent des ça te fait bizarre, tu vois. Souvent, tu restes ça, tu dis que j'aurai l'argent, j'aurai ça. Après, tu te dis qu'on fait quoi avec l'argent? Tu as l'argent et puis ça t'amène quoi? Il faut toujours descendre tes propres projets. Et quand tu vas commencer à dire non à ce hater, il va remarquer que tu es en train de changer. Tu es en train de sortir de ses griffes. C'est là qu'il va sortir la totale. Le chantage émotionnel. Le chantage émotionnel. Mais je suis ta mère. C'est moi, je suis ta mère. Comment tu peux faire ça? Non, maman, j'ai vu que chaque fois que je te parle de mes projets... Je suis là, je veux acheter les terrains pour mes enfants et tout ça là. Tous les mois, tu as toujours les problèmes. Il y a certains de vos mères qui, leurs problèmes ne finissent jamais. Ils n'ont pas préparé votre succès à vous. Donc tu as grandi, tu as dû te chercher seul. Et dans quand tu veux préparer le futur de tes enfants, ta maman t'icône se pointe devant toi. Tu touches 2000 euros. Chaque mois, ses problèmes, c'est toujours 500 euros. Et la mère, laisse que j'écoute. Prends même tes 50 euros le mois. Au Cameroun, là-bas, on fait comment pour survivre? Tu viens de faire comme si tu payais un loyer de 500 000 le mois. C'est quoi? Et puis tu fais même comme si c'est ton seul enfant. Chantage émotionnel. Bonjour, la reine. Amen. Le livre de Napoléon Hill, quand même je l'ai lu pour la première fois, ça a trop résonné avec moi parce que c'est comme s'il y avait quelque chose en moi qui reconnaissait ce que l'homme l'a dit. C'est comme si j'étais sûr que ce qu'il dit là, c'est la vérité. Et avant, il y avait une partie de ce livre où il parlait de la vérité, l'honnêteté, l'intégrité. Et je crois qu'il y a les déclarations de Napoléon Hill où il dit « Je réussirai en aidant les autres à réussir ». Ça, c'est quelque chose que, pour intégrer ça d'abord, c'était très difficile dans ma vie. Parce que j'étais entouré à une époque où je sortais avec quelqu'un qui escroquait les gens. Donc, cette personne escroquait. Donc, son quotidien, c'était de partir, d'escamer les gens. Donc, quand je lisais ce que Napoléon lui disait, que je vais avoir du succès en aidant d'autres personnes à avoir du succès. Quand je parlais, je déclarais ce qu'il disait. À la base, c'était très difficile pour moi. Et me détacher de cette mentalité... De cette personne, premièrement, et de cette mentalité, c'était très difficile. Parce qu'on sait qu'au Cameroun, les gens se disent toujours que non, tu as quand même fait un peu le faux, non. Tu as quand même un peu fait le faux, personne ne peut... Jongle un peu, non. Mets un peu les fausses balances, non.
C'est là que j'ai commencé à motiver les gens. Tu as du succès, j'ai du succès. Mon succès dépend de ton succès. C'est fait que j'ai intérêt à ce que tu réussisses. Pour moi, c'est l'une des clés là-bas. J'ai toujours, depuis que j'étais petit, j'avais toujours su ça. Mais c'est comme si quand je suis, comme je suis né au Cameroun, c'est comme si le Cameroun avait quelque chose de... Vous savez, c'est quand tu sors, tu parles dans notre pays que tu comprends que l'esprit du Camerounais, le Camerounais veut seulement escroquer quelqu'un. J'ai pris un de mes cousins pour faire un travail chez moi l'autre jour. Un des matériaux qu'il a acheté, fini. Il a fait le devis. J'envoie un autre technicien d'aller acheter le même matériel. Il avait mis sur sa facture 65 000. On a acheté la chose à 40 000. J'ai dit, gars, c'est abusé. Premièrement, tu es mon cousin. On se connaît. N'abusez pas. Donc, c'est comme si dans le Camerounais, il y a un truc, il veut seulement... J'ai parlé même avec lui l'autre jour. Il me dit que ce n'est pas comme si tu manques l'argent. Le Camerounais, il va venir dans ta vie. Il vient te donner un bon devis. Il dit qu'il faut 20 000 pour faire ça. Tu donnes 20 000. Il faut 25 000 pour ça. Tu fais... Baguette magique. D'accord. Je peux acheter peut-être la peinture. J'achèterai à 10 000. Je viens lui dire que c'est 30 000. Je viens ça, ça. Je lui dis que c'est ça. Il voit son pointage du moi sur moi. De son moi sur Jocelyne. Et j'ai toujours l'habitude de leur dire que ne blaguez pas avec moi. Le Camerounais, dans notre culture, on n'a pas appris. C'est pour ça que quand tu es adulte, tu dois choisir ton chemin. Parce qu'on connaît tout ce qui est bien. Mais dans la culture, le Camerounais veut toujours t'en... Imagine tu arrives au Cameroun, tu ne connais pas la ville où tu arrives. Sur 10 taximans que tu vas stopper, 9,9 vont vouloir t'escroquer. Sur une route de 1000 francs, il va te demander 5000. Et le truc, c'est qu'il croit que les 5000 là vont l'enrichir. Et il croit que les 5000 que tu donnes là, ça va t'appauvrir. Je leur explique toujours que quand tu es dans l'état de pauvreté, même si on te donne 10 milliards, 10, va gagner au loto. Garde ta mentalité de pauvre. Une autre personne qui a un esprit loyal, qui veut aider les autres. Tu vas voir que dans 100% des cas, bon, regarde, il y a un jeune homme à l'aéroport hier, il m'a, je dis que j'étais tellement vénère avec lui. Il vient, quand je fais le check-in, je passe, avant d'arriver au contrôle police, il me trouve là-bas. Il me dit, ma compagnie ne trouve pas votre ticket, est-ce que vous me donnez encore la référence? Parce que vous avez montré sur votre téléphone, vous savez ça qu'on a travaillé, mais ils ont besoin pour leurs records, parce que j'avais renvoyé mon vol. Je m'arrête, je prends mon temps, je prends mon téléphone, je fouille. Parce que j'étais à passer, je pouvais partir. Un jeune homme, on peut dire un petit frère, je fouille. Je demande, c'est bon. Il y a encore un autre ticket, je prends encore, je fouille, je lui donne, je montre. Il dit, c'est bon, ça va. Il dit, d'accord, c'est bon, j'ai toutes les informations qu'il veut. Et vous savez que quand tu traverses, quand tu sors à l'aéroport là-bas, il y a un endroit où tu as écrit ton nom sur une carte blanche. Il n'y a jamais le pic là-bas. Ceux qui ont eu ce problème-là, dites-moi s'il vous plaît, il n'y a jamais le pic là-bas. À l'instant que je m'arrête, je finis avec ce jeune homme. J'ai passé presque 4 minutes avec lui.
Je termine. Il me trouve là où je devais remplir mon truc. Je demande maintenant, est-ce que tu as le bic ou ça? Il a donné le bic d'abord à ma fille qui était en train de commencer à remplir. Pendant qu'il était en train de me parler. Quand il finit avec moi, il veut partir. Il arrache le bic. Non, donnez-moi le bic, je parle. Il dit que papa, tu ne peux pas attendre 2 minutes, on remplit le truc si on te remet ton bic. Il dit non. Non, moi j'ai fait. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai arraché le bic dans sa main. Il dit, n'exagère pas. Tu es venu ici, je me suis arrêté. J'ai pris mon téléphone, j'ai fouillé. Il t'a même demandé que c'est bon. Tu as encore besoin de quelque chose. Alors que je t'ai déjà passé. Pourquoi toi, tes supérieurs ne te dérangent pas dans ton rapport? Je te demande 1 minute pour attendre que remplisse mon truc. Mof, il s'est fâché. Madame, donnez-moi mon bic. Je dois aller travailler. J'ai les passagers. Je dis que tu vas rester là-bas. Je vais remplir mon papier. J'ai rempli moi, j'ai rempli ma fille. J'ai remis son bic de parti. Là, c'est la mentalité du Camerounais. Et c'est ça qui vous bloque là où vous êtes. Le Camerounais ne sait pas servir. S'il te sait, c'est qu'il a vu quelque chose devant qui va prendre. Oh! Non. Je dis que. Et dans mon état, c'est quand il y a quelque part, si tu veux les problèmes, je vais te faire les problèmes. Je vais m'arrêter. Oh, chapeau. Je vais t'insulter. Tu m'insultes et t'insultes. Bien même. Voilà. Il s'est fâché. Je dis que c'est le bic de 100 francs. Tu ne veux pas, hein? Pas, tu laisses ici. Je vais finir de lancer là-bas. Madame, et je ne fais pas comme ça, arrêtez. Si tu fais 2 minutes de plus avant d'arriver là-bas, on va te tuer. Tant que tu n'arrives pas à l'endroit où tu veux servir, parce que c'est le service d'abord. Et les gens aujourd'hui veulent récolter sans servir. Je vous enseigne des principes divins. Ce que je vous enseigne ici, va en Chine, ça va marcher. Va au Kazakhstan, va en Corée du Nord, va n'importe où, ça va marcher. Quand ils rencontrent, quand ils sont au Cameroun, je vois même Camerounais gentil, ça me... Je me retourne, je dis, pourquoi tu es gentil? Je ne t'ai pas encore donné le pourboire, pourquoi tu es gentil? Like, ah bon? Parce qu'on te paye pour que tu t'assieds à la réception, n'a pas pour me parler. Tu es payé. Je ne sais pas si c'est du bénévolat que tu fais là-bas. C'est quand tu viens en battant, tu donnes 500, 5000, 1000 francs. Madame. Oui. C'est parce que je ne veux pas rentrer dans ce sujet aujourd'hui. La psychologie camerounaise, quand ton enfant grandit au Cameroun, et ton enfant grandit dans un autre pays. Il y a la Côte d'Ivoire que j'ai attesté. Il y a le Gabon. Les gens sont courtois au Gabon. Il y a la courtoisie au Gabon. Vous savez ce que c'est que la courtoisie? Tu envoies ton enfant en route. Tu n'as pas peur qu'on va insulter ton enfant en route. Et la mentalité là, les Camerounais ont porté ça pour aller en bain avec. Je suis resté au Gabon. Tu vois au Gabon, là, quelqu'un arrive, avec, il conduit, il arrive, il voit les enfants veulent traverser. Il s'arrête. Les enfants traversent. Souvent, il conduit même au quartier, les enfants sont toujours au ballon devant lui. Il s'arrête. Il ne klaxonne pas. Hein? Il s'arrête. Les enfants traversent avec le ballon. J'ai dit, hey, oh, oh, oh. Maman. Et tu vois, c'est soft on you. Ça te fait du bien dans l'esprit. Oh. Oh, les Camerounais. Souvent, tu mets ton enfant dans le taxi. Tu payes l'argent du dépôt. Arrivé en route, tu as même peur que le taxi va insulter ton enfant. Je vous dis. Souvent, ils sont censés déposer l'enfant là-bas. Au lieu de traverser, tourner un peu pour venir déposer l'enfant. Sors ici, tu traverses, non? J'ai dit, mince.
Vous traumatisez les enfants des gens. Tu es au Gabon, tu es une femme enceinte. Oh my God. Au Cameroun, la femme va venir te pousser pour passer. Tu es enceinte, elle te pousse. Maman, au Gabon, tous les services où tu entres. Tous les services. Mais madame, vous êtes enceinte. Madame, venez, non, passez devant la queue. Avancez-vous, madame, passez. Tchè. Oh là là. Donc, c'est comme si on a déréglé quelque chose dans la tête des Camerounais. On l'a déréglé. Il n'y a pas de courtoisie. La majorité des gens qui sont courtois, soit vos parents ont vraiment mis l'accent dessus, soit vous êtes sortis du pays. Vous ne pouvez pas savoir le bien psychologique que ça fait d'être dans un pays où on te traite bien. Je suis arrivé à l'aéroport de Bafoussam l'autre jour, j'ai fait des problèmes là-bas. Je leur ai fait des problèmes correctement. Vous avez bien couru. Ne sautez plus sur moi. Bonjour. Dis bonjour. Je savais. Je savais. Dis bonjour. Dis bonjour. Allez là-bas maintenant, sortez. Allez. Vanessa, ce n'est pas que ça nous forge. J'ai même honte. Parce que souvent, tu arrives dans un service au Cameroun, tu l'as expliqué à tout le monde dans le service. On traite une femme âgée comme ça. On traite une femme enceinte comme ça. On traite un enfant comme ça. Souvent, tu as ton enfant quelque part. Quelqu'un vient gronder ton enfant comme ça. Un jour, je suis partie quelque part. Une femme, elle gronde ma fille. Elle lève la main pour la taper. Je dis, hop. Je dis, oh my God. Hey. Maman. Non, non, non. Quand on est comme ça, comment est-ce que vous allez vous laisser prospérer? Comment est-ce que vous allez prospérer? La prospérité n'aime pas la méchanceté. C'est pour ça que vous allez voir les gens qui ont l'argent. Ils ne sont pas méprisants. Ne les regardez pas à distance, approchez-vous d'eux. Vous allez voir que la majorité d'eux sont courtois. Ils sont plus gentils que tu ne pensais. Le jour où tu vas rencontrer le PDG de ton entreprise, pas voir le petit superviseur là qui vous fait la loi. C'est moi qui commande, c'est moi. Attendez le jour où le PDG va venir. Parce qu'il est conscient que chaque client qui est dans mon entreprise, même celui qui balaie, tu participes à l'entreprise ici, au bien-être de cette entreprise. Et quand tu as les valeurs au Cameroun, on fait tout pour détruire tes valeurs. On t'insulte même. Tu vois que ça va arriver. On va voir combien de temps tu vas résister avec ça. Mince. C'est ça qu'ils sont nombreux. Non, franchement, hein, les Gabonais connaissent traiter les gens. Franchement. Laissons ça. J'aime pas encore, je sais pas comment c'est le côté relationnel, genre quand tu sors avec un Gabonais. Mais de ce que je vois des Gabonais, les Camerounais sont venus abuser des Gabonais. Mais vous dites. Le succès. Même si tu fais du mal à quelqu'un, tu parles mal à quelqu'un, tu traites mal quelqu'un, personne ne te voit. Tu pars. On est dans un univers qui voit tout. Et qui récompense tout. Est-ce que ça te tue d'être gentil avec quelqu'un?
C'est quelque chose que ça me fait même mal à la limite. Parce qu'il n'a même pas le mot mal. Mais ça me touche. Ça me touche. Tu arrives en Côte d'Ivoire. Tu vois comment. C'est vrai que quand le Camerounais vient, le Camerounais dit qu'ils sont bêtes. Ils ne sont pas bêtes. Ils ont eu cette de respect pour leurs frères. Un respect. À un moment, pour laisser ma fille sortir seule, je me disais, où elle va arriver là-bas dehors, qui va la voir, qui va la gronder où? Ici, tu vois qu'un enfant entre dans le taxi. Quand un enfant, un jeune stoppe le taxi au Gabon, un enfant de l'école, il y a une heure là où tous les chauffeurs les prennent seulement. On vous laisse, vous les adultes. L'enfant entre dans le taxi, on lui laisse sa place. On lui parle gentiment. Parce que vous investissez dans la prochaine génération. Et le succès vient de n'importe où. Hein. Ce n'est pas parce que. Le succès vient de n'importe où. Parce que le Camerounais, pour lui, c'est genre, l'enfance, il va me donner quoi? Ah, mof qui là-bas. C'est tout. Voilà ce qu'il dit dans sa tête. Comme ça, quand vous voyez les gens qui ont l'argent, ça vous énerve. Tu as la haine dans ton cœur. Haine qui n'est pas nécessaire. Ce sont les choses qui vous bloquent. Vous ne savez même pas. Il faut que ta bouche n'ait jamais sucré avec quelqu'un. Tu peux pas complimenter quelqu'un. Ça, c'est aussi un signe de vos haters. Vos haters ne vous complimentent jamais. Peut-être même toi, tu es hater. Toi, tu es un hater, peut-être. Ne peut jamais te complimenter que, waouh, franchement, tu avais raison par rapport à ça. On a eu raison d'investir là-bas. Ça a donné. Waouh, tu as sorti ta première chanson. Waouh, ta chanson est magnifique. Wow, pour une première chanson, tu t'es bien débrouillé. N'est pas, tu crois que tu vas aussi devenir star. C'est comme ça. L'argent ne suit jamais l'aigreur. Resentment. Bitterness. L'amertume. L'argent ne suit pas l'amertume. Même si l'argent vient là-bas par erreur, ça va sortir, ça va fuir le lendemain. Ça va porter ses affaires pour fuir. Oui. C'est pour ça que l'un des signes qui va vous aider pour monter, vous allez développer une joie constante, une bonne humeur. Tu sors le matin, tu es comme un rayon de soleil qui illumine les gens qui passent à côté de toi. Bonjour, bonjour madame, ça va? L'argent aime la bonne humeur. C'est pour ça que ceux qui sont aigris, quand ils ont l'argent, ça finit vite parce que. Quand l'argent là va venir, ils vont d'abord voir que ce n'est même pas assez pour remplir tous leurs problèmes. Tu reçois 20 000. Ah, je les prends de 500 000. Elle me donne 20 000. Pourquoi? Je fais quoi avec 20 000? Comme ça que tu vas prendre même la dîme, tu ne vas pas payer. Tu vas aller mal dépenser. Tcha, tcha, tcha. Tu te retrouves encore les problèmes de 500 000. Parce que tu es aigri. Vos haters ne vont jamais vous apprécier. Ils ne vont jamais trouver que vous avez fait quelque chose qui est bien. Vos haters aussi vont critiquer votre éthique de travail. Oui. Tu as déjà trouvé ta voie. Je vous rappelle que ma voie, je suis toujours en train de la chercher. Au fur et à mesure que le temps passe, je trouve, je me dis, ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et ce que j'ai remarqué, c'est que les gens qui sont autour de moi, l'un des premiers signes de jalousie, c'est le fait que, j'ai remarqué, c'est un peu comme si ça les énerve, le fait que je poursuive quelque chose.
avec fervency. Oh gosh, ça fait longtemps que je parle plus anglais, mais j'ai tellement de mots dans ma tête qui sont en anglais. Avec ferveur. Ça l'énerve. Même les directs qui sont faits le matin ici, là, ça là, ça, qui vous motive là. Il y a des gens que ça les énerve. J'ai des gens qui m'entourent qui ne peuvent pas écouter mes directs. Je vous dis quoi? Peuvent pas. Parce que dans leur cœur, là, il y a une petite noirceur qui est en train de grandir. Pourquoi elle fait ses directs? Les gens la regardent. Quand vous mettez les témoignages, c'est là que oh, tes paroles m'ont aidé. Hey. Oh. Pourquoi elle aide les gens? Pourquoi? Tu ne te réjouis pas de la réussite de quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas toi-même prétendre réussir. Oui, il y a de l'hypocrisie en eux. Parce que mes paroles, mes paroles, moi, je dis toujours, moi, je dis mes choses au roi. Et s'il n'y a pas la vérité en quelqu'un, quand la personne va m'écouter, ça va le déranger. Ça va toucher trop de points dans son cœur que. Elle parle de jalousie, je suis jaloux tous les jours. Elle parle de creux, je suis aigri. Elle parle de pauvreté. La personne va dire que pardon, moi, je ne veux plus quitter avec tes vidéos-là. Oui. La reste, bonjour. Je me bats pour que les valeurs que votre esprit veut vous faire ressortir, que ces valeurs-là prônent, thrive, en anglais on dit thrive, que ça gagne, que ça ait la victoire. On peut réussir en aidant les autres personnes. On peut réussir dans la justice. Tu peux être riche et tu es de bonne humeur. Tu peux être riche et tu es belle. Tu peux être riche, tu ne cherches pas à rabaisser les autres pour leur montrer que tu as plus que eux, tu as plus que non. Mais au contraire, tu les soulèves. Moi, il me dit toujours que si dans ma journée, je rencontre quelqu'un et de notre conversation, il ne sort pas en étant uplifted, c'est que c'est un sorcier. Parfois, il rencontre les gens, ils font les blagues un peu là, genre, hey, pourquoi tes cheveux sont comme ça là? Si tu rencontres quelqu'un d'écrit, tu fais les blagues. Decepticon. Donc vos Decepticons ne seront jamais heureux pour vous. Et votre éthique de travail va les énerver. Moi, je vous ai toujours dit, moi personnellement, I'm very focused. Et je pense que je suis même pas encore assez concentré pour ce que moi-même je veux. Oui. Tu te réveilles le matin, concentre-toi sur ton argent. Focus on your money. What's the matter with you? Focalise-toi sur ton truc, your craft. Cherche quelque chose que tu vas faire. Concentre-toi sur ça. Work, 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 work. Cherche comment tu vas bénir les gens. Cherche comment ce que tu fais va aider les gens. Cherche comment tu vas porter la bonne humeur aux gens. Cherche comment tu. C'est en cherchant que tu te découvres. Quand j'explique ça aux gens, ils me prennent pour une folle. Tu vas voir s'il aide quelqu'un, c'est parce qu'il sait qu'il y a quelque chose derrière qu'il veut. Parce que c'est qu'il calcule quelque chose derrière.
Il y en a même parmi vous, quand vous voulez même me donner, il dit que non, je refuse. Vous allez me faire le chantage parce que je m'avais donné quelque chose. Ils n'ont pas avec, va même me donner un orphelinat. Oui. Si il te parle, Dieu te parle. Si il parle comme ça, Dieu te parle. Donne, mais ne viens pas me dire que oh, j'avais donné, j'avais. Non, je ne suis pas sur ça. Laisse. Et vous êtes toujours dit que l'univers récompense. Les paroles que je vous donne chaque jour ici. Chaque victoire que vous avez qui est dans mon compte, ça remplit mon compte financier, spirituel d'abord. D'abord. Donc même sur 5 générations, je serai béni. Parce que je suis en train de vous bénir. Et je vous dis tout que j'ai commencé ces vidéos, je ne gagnais rien de ça. C'est avec le temps. J'ai dit que pour mieux aider les gens que je suis, qui me suivent, je peux faire ça. Pour mieux les aider, je peux faire ça. Avec le temps. Moi, je n'oublie pas mes dons, hein, Vanessa. Je n'oublie pas mes dons. Je te donne, je ne pas rappeler à Dieu que Dieu, j'ai donné. Rappelle-toi de mes dons, Seigneur. Tu as compris? Seigneur, rappelle-toi de mon service. Seigneur, rappelle-toi des dons que j'ai fait aux gens. Rappelle-toi, Seigneur. Seigneur, si je pars maintenant, tu vois que la terre va souffrir. Hein? Seigneur, tu sais tellement que quand tu me donnes, je donne. Donc, tu dois encore me donner. C'est comme ça qu'il augmente mes dons spirituels. Il augmente mon argent. Il augmente. Parce que comme il me donne là, je vais donner. Le peu que tu as, tu dois d'abord l'utiliser. Quand tu utilises, Dieu augmente. Et un autre signe de tes haters, ils vont croire qu'ils ont le droit à ce que tu as. They will take you for granted. Ce qui est à toi, c'est pour moi. Non. Divine, c'est effectivement ça. Ils sont avec toi pour profiter. Donc ton hater va penser que tout ce que tu as, c'est pour lui. C'est le jour où tu vas dire que non. Parce que même moi, mon argent, quand je le dépense, je réfléchis sur la bonne façon d'investir cet argent. Donc, il te va venir, il voit peut-être ton compte, il voit 5000 euros dedans. Il dit, mais allez, demain, on va aller faire le shopping. Demain, on va aller faire... Non. Et quand tu refuses, c'est les problèmes. Même si c'est pour la personne qui vient que vous dépensez, retiens-toi. Parce que quand tu arrives, quand tu es choisi, tu arrives dans une certaine dimension. Tu ne fais plus les choses seulement pour faire. Tu es plus thoughtful. Tu es quelqu'un que tu agis par direction divine. Tu es très réfléchi. Tu ne fais pas les choses seulement pour impressionner les gens parce que tu as vu les autres ont fait. Non. Les haters, généralement, ils aiment aussi beaucoup impressionner les gens. Tu vas voir un hater, supposons, parce qu'il a été voyager avec toi dans ton équipe pour vous retrouver en première classe. Toi, tu es en première classe, tu sais que ah, c'est l'avion, non. Si on crache ici, là, tout le monde meurt, non. Il n'y a pas de parachute de première classe. Il n'y a pas l'avion de sauvetage qui va venir trouver les gens de première classe en haut. Donc, pour toi, c'est naturel. Hmm? Voilà le hater qui arrive. Comme il va entrer en première classe ce jour-là, sa démarche va changer. Tu regardes. Que le ticket de première classe, c'est même moi qui ai acheté. Oh my God. J'ai tellement vu les choses. Je parle seulement trop en parabole. J'ai trop vu les choses. On sert la nourriture. Tu vas voir le hater ce qu'il va faire. En tout cas, moi,
I didn't take my food. I didn't grab my food. I didn't eat my food. C'est le couscous, je prends les mains, je mange avec. Je sais que la semaine prochaine, je vais encore payer la première classe, je vais voyager. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Oh, Jesus is Lord. À la moindre opportunité, le hater va se croire au-dessus des autres. Le hater ne manquera pas une opportunité. C'est pour ça qu'on dit toujours qu'il y a des choses que quand tu donnes un être humain, c'est là que tu vois son vrai caractère. Le pouvoir, le sexe et l'argent. La règle, est-ce que tu as rêvé que j'enseignais les gens? Et j'avais un bâton de commandement. Je cherchais à décrocher une bénédiction qui était accrochée, coincée sur le mur par les forces du mal. Waouh! Ça, c'est un rêve prophétique. Tu sais ça, non? Parce que les choisis ont un amour pour l'être humain qui fait que c'est cet amour et cette compassion qui les élève. Si on regarde Judas, je suis sûr que Jésus n'a pas voulu donner les détails dans la Bible. Vu le caractère de Judas, comme Judas gérait les finances de Jésus, sûrement Judas se baladait souvent dans le quartier. Moi, je suis le trésorier de Jésus. Hein. Je suis son trésorier. Bonjour, Elsa. Moi, je suis le trésorier de Jésus. Hein? Vraiment, vous croyez que quoi? Quand Jésus vient pour guérir, là, on arrive, il faut payer la cote, il faut faire la quête peut-être pour entrer ou bien. Donnez l'argent, ouais, voilà, moi je. Sûrement Jésus sort et dit Judas. Parle-leur correct, parle-leur bien, non? Ce sont des êtres humains comme nous, non? Et le jour, ils prennent peut-être leur jet privé parce qu'ils avaient des navires privés pour voyager. Ils avaient des cabines privées, Jésus partait se coucher, dormait. Sûrement, ils étaient à la cuisine, ils mangeaient la nourriture de première classe. Parfois, j'aime souvent me faire des films dans la tête. Je crois qu'un jour, si j'ai l'opportunité, je vais faire des bandes dessinées de la Bible. Avec mes inspirations. Jésus vient, il voit quelqu'un qui a la lèpre. On ne devait pas toucher les lépreux. Il se baisse, il touche. Voyez un peu le caractère de Jésus. Parce que quand vous analysez Jésus, vous vous dites que non, il était déjà arrivé en haut là-bas, il n'avait. Et Jésus est devenu riche très vite. Le ministère de Jésus a fait 3 ans. Donc quand il a commencé, il voyageait déjà, entre 2 vols. Donc vous qui attendez encore avant de devenir riche là, vous attendez quoi? Ça fait 10 ans que tu attends. Jésus a pris 3 ans. Moi, c'est là. Oh, j'ai mes conversations avec Dieu. Et quand ils comparent comme ça, leur but, c'est de vous prouver que vous ne valez rien. Un hater va toujours être en train de vouloir rabaisser les gens autour de lui. Un choisi veut toujours soulever les gens autour de lui. Parfois, tu marches avec le hater ou la hater. Tu fais un compliment à quelqu'un, la personne se fâche. Le monsieur est venu hier, il n'était pas coiffé. Aujourd'hui, il est arrivé, il s'est bien rasé, il est très beau. Oh, monsieur, on t'a bien coiffé. Hein? Si tu donnes ce compliment-là à un homme, ça va quand même lui faire plaisir. Merci. Vous avez une belle couleur de chemise, monsieur. Vraiment, là, c'est une belle couleur. Je veux le draguer. Hein? Vous voyez un peu.
Moi, c'est alors que partout, je passe, on me connaît là. Je marche avec mes haters. Il y a l'aéroport, il y a quelqu'un qui a vu ma fille, il l'a reconnue. Il dit que. Parce qu'elle est passée avant moi, je suis encore derrière. Il dit que quand il prend son passeport, il regarde, il dit. C'est pas la fille d'arrêt, je suis ici. Mais après, il se dit, bon. Après qu'il me voit arriver, il dit, ah, je comprends. J'ai vu physique des amis, c'est ta fille. J'ai justement commencé à rire. On a ri ensemble, après, il part. Donc, partout où je passe, c'est juste comme ça, en fait, ça ne te coûte rien. Mais quand tu fonctionnes avec un hater, le hater peut venir. Pourquoi est-ce que tu ris avec la personne? C'est seulement un sourire. Bon, c'est pas comme si quand je ris, ça finit, mais c'est pas les bonbons que ça finit. Oh, elle a souri 3 fois aujourd'hui. Il ne reste plus que 2 bonbons dans la marmite. Non. C'est de la joie que tu déposes dans les gens. Tu déposes. Tu déposes. Le hater sera toujours en train de te critiquer, indirectement. Et quand tu vas agir selon tes impulsions, tu vas voir que c'est ça qui sera très attaqué par ton hater. Moi, je dis toujours, je fais ce business par rapport à ce que l'esprit m'enseigne, ou me guide, ou me dit de faire. Donc, j'ai dit à mes employés que vous avez 2 places dans cette entreprise. Soit tu es mon hater, soit tu es un décepticon, soit tu es un choisi. Et si tu ne peux pas avoir la capacité de croire au jugement de ta patronne, laissons. Parce que je peux me lever le matin comme ça et dire, ok, allons dans ce sens-ci. Non, si toi, tu viens dedans, tu commences, pourquoi on va aller dans comme ça, pourquoi? Parce que c'est comme ça que les choisis réussissent. Le choisi agit par intuition, par direction divine. Romains 8, verset 14. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont les fils de Dieu. Et parfois, sur le coup, ça n'a pas de sens. Parce que quand tu te laisses conduire, il y a des moments où l'Esprit va te dire, tu as en tout 1 million, non. Prends 400 000, tu investis sur telle marchandise, tu déposes chez toi. Pourquoi tu veux acheter ça maintenant? Je dois acheter maintenant. Pourquoi tu veux acheter maintenant? Je ne sais pas, mais je sais que je dois acheter maintenant. Trois semaines plus tard, pénurie sur le marché. On se tourne vers qui? Vers toi. Le stock sort en 2 jours. Tu te fais 3 fois le prix d'achat. Parce que tu as écouté. Tu as écouté. Quand l'esprit t'a parlé, tu as écouté. Good morning, Queen Isabella. Je vous parle comme ça parce que ce sont les choses que l'esprit vous montre déjà depuis, mais vous hésitez beaucoup. L'esprit ne t'amènera pas dans ta perdition. Et l'esprit ne se force pas sur toi. Quand il te parle, tu ne comprends pas, il laisse. Il parle, tu ne comprends pas, il te laisse. Il ne te force pas. Donc faites attention. Bonjour Élise. Et quand la direction divine vient, ça vient avec la joie. Tu vois comment je te sens là maintenant, non? Tu vois comment je te sens là, hein? Money is coming. L'argent est en train d'arriver. L'argent est en train d'arriver. Money is coming. It's coming from everywhere. I can feel it coming. C'est comme ça que l'esprit fonctionne. C'est tellement bête, mais c'est comme ça que. C'est ça la prospérité en fait. C'est ça la prospérité. Plus tu montes, plus tu comprends que se faire de l'argent, c'est rien.
Bonjour Nikki. It's just easy. Bonjour Aude. Devenir riche c'est facile. It's just easy. It's easy. It's easy. Je veux que mon environnement soit un environnement de paix. Je mets la paix et l'amour dans cet environnement. Je veux pas les problèmes. Je veux pas le stress. L'argent vient à moi facilement. Money comes to me easily. Money comes to me now. Money comes to me easily. Money comes to me now. Et quand tu vois ça, tu vois comment tu sens comment la paix vient à toi. Après, dans la fenêtre, tu passes comme ça, quelqu'un te donne 5 000, pam! Tu dis, hey! Après le soir, une autre fille m'écrit l'autre jour, elle me dit, maman, on ne m'a jamais donné l'argent, on m'a donné 50 000. Quelqu'un m'a appelé, m'a dit que donne-moi ton compte et t'envoie l'argent, m'a donné 50 000. Il dit, oui, mamie. C'est des petits signes. 50 000, c'est un petit signe pour te montrer que, mamie, l'argent, ça vient. Vous devez apprendre à naviguer pendant un certain temps avec vos haters. Parce que il y a certains haters que tu ne peux pas bloquer. Tu ne peux pas appuyer sur ton mari, tu le bloques, il est à la maison avec toi. You did house together. Hey. Likez seulement, touchez seulement, vous likez. Ne dites même pas que moi, que c'est vrai. Parce qu'il peut voir la vidéo, s'il dit, hein. Touchez seulement, vous likez, c'est tout. Oui. Donc, tu dois apprendre à protéger ce que tu ressens. Vanessa, si ton mari voit la vidéo, s'il dit vraiment que quoi? Je vous ai seulement dit que touchez seulement, que like. Ne venez pas commenter. Vous devez apprendre à vivre avec vos haters. Il y en a que tu peux bloquer sur WhatsApp. Il y en a que tu peux dire que je ne travaille plus ici. Il y en a que tu peux dire que je déménage. Mais il y en a que tu ne peux pas. Parce que pendant un moment, pour participer à ta maturité spirituelle, vous allez vous regarder. Que je te connais, tu me connais. Je ne me laisserai plus influencer par tes choses. Et je me connais. Le plus important, c'est je me connais. Je me connais, je sais ce que je vaux, je sais ce que je veux. Et je n'irai pas pour moins que ce que je veux et je vaux. Je ne rabaisserai pas mes attentes. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais je vais travailler sur ma vibration pour recevoir. Je travaillerai sur ma joie. Je travaillerai sur ma paix. Je travaillerai et j'accepterai encore plus. Je resterai dans la gratitude, peu importe ton opinion, peu importe ton attitude, peu importe ton ressenti. Peu importe ce que tu veux me faire subir, je vais résister. Parce que mon focus n'est même pas sur toi. Mon focus est sur moi. Je n'abandonnerai pas mes rêves. Je cacherai même certains rêves que j'ai. Je cacherai même certains rêves que j'ai pour les protéger. Je vous surprendrai.
pas dans le mauvais sens, mais en devenant ma vraie version. Je rentre dans mon pouvoir. Pleinement. Sans hésiter. Parce que je sais que ce que je ressens est vrai. Je sais que le pouvoir qui m'accompagne et qui me parle est réel. Et je ne laisserai plus quelqu'un m'en dissuader. Je ne serai plus manipulée mentalement. Parce que beaucoup vous manipulent mentalement. Je jouerai même à l'idiote pour vous faire plaisir. Je ferai semblant d'être bête. Ah ouais? Ah oui. Je ferai semblant. Parce que je sais où je vais. Et ce faire semblant-là est tellement important pour vous les choisir. Parce que le truc avec les choisis, c'est qu'ils sont tellement vrais. Les choisis sont très vrais. Ils ne savent pas prétendre. Les choisis ne savent pas prétendre. Maintenant, vous devez devenir rusé. La ruse est importante. Dans cette dimension de ta vie, tu es en train de devenir sage. Tu n'exposes plus tout ce que tu faisais avant comme ça, que pia, tu verses ça aux gens. En anglais, on dit you're poised. You're like, oh my God, what's the word in French? Tu es posé, tu es calme. Je n'appellerai pas ça de l'hypocrisie. J'appelle de la protection de rêve. Tu te protèges, tu protèges ton cœur. La Bible dit dans Proverbes chapitre 3, verset 9, je pense. Guard your heart with diligence, because out of it flow the issues of life. Attendez, je vais regarder. Protège ton cœur. Ton cœur, c'est là où il y a tes pensées, tes rêves. Verset 7. La version anglaise l'explique mieux. Moi, les versions françaises, là, ça dilue un peu la Bible. Proverbe 4, verset 23. Voilà. Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Protège ton cœur parce que tout ce que tu fais sort de là. En français, ça dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Quand tu dis les sources c'est quoi? Quand tu es ici en 2023, dans ton cœur, tu es en train de voir qui tu seras en 2025, en 2040, en 2045. Même le temps où tu vas mourir, tu es en train de voir déjà ça maintenant. Il y en a parmi vous paniquer tellement. Oh, peut-être il me reste 2 ans. Oh, et si je meurs à 40 ans? C'est dans ton cœur.
Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent tes... C'est comme si dans ta tête, dans tes pensées, tu planifies les voies de ta vie. Les voies. Je vais partir à tel endroit. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Et parfois, quand Dieu te met quelque chose dans ton cœur, et ce n'est pas encore mature, ce n'est pas encore mûr, tu te précipites vite pour dire aux gens. Il coupe ça directement, tac, comme le plantain qui a seulement 2 semaines. Alors qu'on va attendre que ça fasse 3 mois sur l'arbre. On ne peut pas manger, il n'y a rien à l'intérieur. Dieu peut te mettre dans le cœur que tu vas aller aux États-Unis. Tu ne connais personne là-bas. Tu n'as pas gagné la loterie américaine. Tu n'as pas. Tu l'as, je te dis. Where? How? With who? Parce que tu es parti dire à quelqu'un, la personne a commencé à te poser les questions. Et tu peux même d'abord n'avoir fait quoi? Avec qui? Donc tu vas me laisser dire. Hein? Supposons Dieu t'avait dit. Tu as gardé dans ton cœur, tu as médité ça dans ton cœur. Seigneur, si c'est vraiment ta volonté, que ça se fasse. J'attends. Te voilà. Un mois plus tard, tu entends parler d'une bourse. Tu essaies un peu, ça, si tu vois, ça ne donne pas. 2 mois plus tard, comme ça là, tu es dans un groupe peut-être avec une femme qui est là-bas, elle met une annonce dans le groupe. Voilà, il y a l'université d'ici là qui cherche 3 personnes qui peuvent venir d'Afrique pour faire un stage de ça, ça, ça. Et tu remplis nettement les critères. Tu vois que quand Dieu t'a mis en cœur de déclarer dans tes prières que je pars aux États-Unis. Tu ne savais pas encore comment, quand, où. Tu ne savais pas qui allait payer ton billet d'avion. Maintenant, 2 mois ou 1 an plus tard, après que tu aies muré ça dans ton cœur, ce cœur que tu dois protéger, l'opportunité se présente. Et même quand ça se présente, tu fermes encore ta bouche. Tu finis ton processus. Il y a même les décepticons qui ne doivent pas savoir que tu es en train de faire quelque chose. Ils vont venir faire douter ton cœur. Oui. Ils vont faire douter ton cœur. Tu vas prendre le billet d'avion où? Qui va te payer le billet? Tu vas vivre chez qui? Tu ne connais pas encore. Le Seigneur pourvoira. Faites très attention. Voilà comment on détruit vos projets. On écrase ça comme ça, comme le papier. Après, on jette. Parce que tu ne savais pas. Et pourtant, tu es gentil avec les gens. Tu aides les gens. Mais tu n'avais pas ce détail-là en plus. Tu ne savais pas protéger ton cœur. Tu n'as pas raté les opportunités, la riche. Opportunity will always come. Quand c'est ton destin, ça va se représenter. C'est pour ça que j'ai souvent vu des filles qu'on a bloqué son mariage. Mon fiancé était en Italie. Mon fiancé, après, il était en Allemagne. Un autre était en Allemagne. Un autre était en France. Il voulait me faire venir. On a bloqué. Ma chérie, même si tu as 45 ans, l'homme-là va te localiser. Il va encore quitter cette fois-ci. Il va venir, il va t'épouser. Il va te porter, il va partir avec toi. Il y a des cycles répétitifs de votre vie que vous restez sans vous regarder. Ma chérie, tu es censé partir en Bengue depuis longtemps. Malgré tous les blocages, là, ça va encore finir. Vous devez comprendre Dieu. Parce que quand tu commences à parler, tu dis, ah, j'ai perdu mes opportunités. Yeah. Pour toi, c'est comme si c'est fini. Tu es qui? Tu es Dieu. C'est Dieu qui écrit ces choses. Vous ne connaissez pas comment... Oh, vous ne connaissez pas Dieu. Laissez-moi. Vous ne connaissez pas. Et Dieu a besoin de tes paroles. Dieu a besoin que tu restes comme ça, tu penses à ce qu'il t'a dit. Peut-être ce que tu le dirais, c'est pour que tu reprennes encore espoir pour ta chose. Bien, hein, pas un peu. Tu n'as pas encore fait ton passeport qui t'est expiré là. Tu te lèves, tu dis que je pars, on défait mon passeport. On dit que, hein,
J'ai pas fait mon passeport. Tu dis même pas à quelqu'un, tu te l'as pas fait seulement. You don't know God. You don't know God. You're just kidding. Vous ne connaissez pas Dieu. Quittez avec ça. Oh God. Dieu, j'aime Dieu. Tu vois, Dieu est un peu comme ça, un peu comme mon amoureux. Tu vois, quand tu rappelles-toi de ta meilleure relation que tu as eue. Quand tu es réveillé le matin, tu as dit, waouh, je serai avec un homme fantastique. Même si après 2 mois, il est devenu un démon. On s'en fout. Rappelle-toi du moment où il était bien là. Dieu est 1000 fois l'homme là que tu avais rêvé dans ta tête. Et Dieu ne va jamais partir. Chaque matin que tu te réveilles, il est là. Every day, every morning, il est là. How sweet is that? C'est sucré, non? S'il le faut, tu passes ton temps seul, tu construis ta foi. S'il le faut, passe le temps qu'il faut. Votre problème, c'est que vous doutez trop de vous. Quand ta foi est attaquée, tu dois nourrir ta foi. Ça fait 2 heures que je vous parle, vous êtes en train de m'écouter. Votre foi est en train de grandir. Tu nourris ta foi. Et quand c'est plein, ça va sortir. Sans que personne arrête. Je vais faire ça, je vais faire ça. Ça va avancer, je vais donner, ça va ceci. C'est comme ça. Mes projets vont marcher. Everything I put my hand must work. My name will open doors. My life no go end in shame. Je n'aurai pas honte. Donc c'était tout pour la dose d'aujourd'hui. Quand vous allez rentrer du travail, vous regardez. Si vous ne voulez pas regarder, ne regardez pas. Vous avez suivi, non? Ok. Vivez votre bonne journée, hein. Votre meilleure journée. Pensez à moi dans la journée, ok? On se revoit demain, par la grâce de Dieu. Mettez un peu de musique à la maison, vous dansez. Ça va énerver vos voisins, mais on s'en fout. My life no go end in shame, amen. If you believe it, say amen. Amen. Lavage à distance, n'oubliez pas. On est quand? On est vendredi. Donc, maximum lundi, on va faire les lavages à distance. C'est le lavage de fin de mois. Avant de faire maintenant les lavages en début de mois de
Mars. Et si vous avez envoyé votre photo, on ne vous a pas encore lavé, vous envoyez le message pour demander. OK. Donc, achetez vos kits. Je vous ai parlé des kits depuis longtemps. Bonne journée. Oh. Bye bye. Je suis très contente. Vous savez que l'argent arrive. C'est comme ça qu'on détecte mon argent. Avec mon niveau de joie. Oh my God. Moi, je suis heureuse en dépit de mon environnement. Tu vois, à côté de moi, tu n'es pas heureuse. Je m'en fous. Moi, je suis heureuse. Mon âme va venir vers moi. On va parler de pour mon âme dans ton compte. Vous suivez donc. Everything I put my hand go work. Bon, bonne journée.